Rappelez-vous, il y a 3 ans, je vous avais sorti une vidéo Bye Bye Between Welcome Van Rysel. Vous avez été plus de 100 000 à regarder cette vidéo et à apprendre cette nouvelle grâce à cette vidéo. On se retrouve 3 ans plus tard où Van Rysel ont quelques surprises à nous présenter, quelques nouveautés. Et on va retrouver Yann, chef de produit au sein de Van Rysel, qui va nous les présenter. Allez, c'est parti. Salut Cédric. Salut. Bah, écoute, je suis très content de vous recevoir déjà sur le stand. Merci. C'est une énorme année pour Van Rysel puisqu'on va sortir 7 nouveaux vélos d'un coup. Donc normalement, il devrait y avoir un vélo pour tous les cyclistes en 2023 chez VR. Ça, c'est cool. On se retrouve en face de la première nouveauté? Exactement. Alors, c'est une nouveauté qui est déjà sur les circuits puisqu'elle équipe notre Pro Team Cyclocross. Joshua, il fait 3e au championnat de France de cyclocross avec ce vélo la semaine dernière. D'accord. On ne l'a pas lavé, c'était pour évidemment faire comprendre. D'accord. Donc, on est très content. Donc, nouveau cyclocross de chez VR, disponible au mois de mars. On a évolué par rapport à la première version qui avait été un carton. Donc, ce qu'on a changé, on a amélioré les dégagements. D'accord. Pour plus avoir d'encombrement au niveau de la boue. On a élargi les clairances, on peut monter des pneus en 40. On a retravaillé ce triangle pour faciliter le portage. D'accord. Et aussi gagner en pilotage. Voilà, première nouveauté de chez VR. Impeccable. Allez, on passe à la suivante. Alors, deuxième nouveauté, Yann? Ouais, deuxième nouveauté dans la gamme, c'est le NCR. NCR pour Neo Racer. C'est un vélo qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent se mettre au vélo route, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, on a cherché un vélo plutôt accessible, mais sécurisant, donc avec des freins à disque hydrauliques. Okay. Et un vélo qui est versatile. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est le même vélo et à la fois, il fait route et gravel. D'accord. Tout le monde ne peut pas avoir un garage avec 12 000 vélos. Donc, tu pars de ton vélo route, tu changes les pneus, tu peux aller faire du gravel, tout simplement. Donc, le vélo, il est décliné dans plusieurs specs. On commence avec un Tiagra et on peut aller jusqu'à des groupes en électrique. Là, c'est un Rival, par exemple. D'accord. Il sera proposé en Rival électrique. Exactement. Et en mécanique, entrée de gamme. Donc, l'idée, c'est vraiment un vélo. C'est le plaisir de rouler, de découvrir les premières sensations du vélo. On a une idée de tranche de prix ou alors, en entrée de gamme, par exemple? Là, on est à 1600 euros. D'accord. Et là, on va monter à 2700, 3000 euros en fonction des specs des vélos. Ok, très bien. Bah, on passe à la suivante. Alors là, Yann, là, je suis très surpris sur ton stand. Qu'est-ce que c'est que ce home trainer Van Rysel? Une tuerie. Je m'y attendais vraiment pas. Bah ouais, on a fait les foufous. Donc là, c'est pas moi qui l'ai développé, c'est les copains. Néanmoins, on peut en parler. Ouais. Donc le home trainer connecté Van Rysel, il arrive sur le printemps. Donc vous allez pouvoir faire du home trainer, évidemment, sur vos applications préférées. D'accord. Avec un produit VR. Donc toujours un prix canon, hein, 450 euros. Ah oui. Moi, je le roule depuis cet hiver. Ça marche du feu de Dieu. Donc Je vois qu'il est bien étudié, la poignée transportable. La poignée de transport, tout, c'est nickel. Non, je suis vraiment surpris. Il y a le petit calage de roue qui vient se clipper ici. D'accord. Qui est aimanté, comme ça on peut tout ranger. Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est malin, bien pensé. Et je vois une petite lumière sur le bas. Ça c'est pour te motiver quand tu te mets dans le noir. Au ceux noir. Qui aiment bien être en mode pain cave. Ouais, ça change de couleur avec l'intensité. Voilà, et tout, ça fait un peu mode pain cave. Bien joué, bien joué. J'ai hâte de découvrir ça. Et ben. On peut enchaîner dessus. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on retrouve? Une nouveauté. Alors, ceux qui suivent un peu l'actualité, vous l'avez vu quand on était au triathlon de Gérardmer. Le FCR, donc le vélo FCR, c'est Fast Racer. D'accord. C'est un vélo aéro, plutôt pour ceux qui aiment les vélos rigides. Okay. Un vélo de coursier. C'est un vélo qui passe très bien sur le plat, qui est très bien pour les terrains vallonnés. C'est pas le vélo pour aller en montagne, par contre. D'accord, ok. Par contre, si tu veux gagner à la pancarte. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, on voit que là, le tube, là. Ouais. Je vais vous montrer ça sur des plans, mais c'est massif. Ouais, c'est massif. C'est massif. Clairement, on est sur un truc pour les gars qui aiment les vélos virils. D'accord, impeccable. Et le prochain, alors, c'est quoi? On va au RCR. Je crois que ton RCR, Yann, fait un franc succès déjà. Il y a un peu trop de monde partout, là. On va essayer de se faufiler. Ouais, on va se faufiler. Hop. On a fait le ménage. Parfait. Merci, c'est gentil. On remercie les gens, on est désolé. On a fait un peu le ménage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine? Franchement, alors. J'ai dû passer à côté de l'actualité parce que découvrir ça sur le stand Van Rysel, je m'y attendais vraiment pas. Moi non plus. D'accord. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. D'accord. Clairement, on est sur la machine la plus aboutie à ce jour chez Van Rysel. Ouais. Travailler en soufflerie avec des partenaires qui sont juste en face de chez nous, c'est l'Onera. C'est d'habitude des gens qui font des hélicoptères, des machins, des trucs comme ça. On est allé les voir, on a dit nous on veut faire un vélo, on peut le faire ensemble. Ils nous ont dit allez banco. Donc on a travaillé l'aérodynamisme avec eux. Ok. Et on a travaillé avec Deda pour avoir une potence canon. Ouais, c'est un estampillé Van Rysel. Exactement, en fait on est parti de la Superbox. On l'a allégé pour eux, ils font la production. D'accord. Donc ça c'est un vélo pour les coursiers. Ouais. Les prix,
Ça commence à 4000. Mmh. Si vous voulez le layup carbone pro, c'est à partir de 5005 et on ira sur des versions qui iront jusqu'à 8005-9000. Yann, mais quel est l'intérêt de sortir un vélo performance comme ça? Enfin, moi je me pose la question. Ouais. On vous voit arriver sur le World Tour avec la Cofidis et le maillot. Ce vélo respire Il respire la performance. Oui, oui. Est-ce qu'il respire le World Tour? En tout cas, il a les performances pour y aller. D'accord. Est-ce qu'il ira? L'avenir. Restez connecté. Ok, parfait. Alors là, Yann, on est encore dans un autre type de performance, mais on y est encore. Alors là, c'est un des liens, ouais. Clairement. Donc aujourd'hui, ben, je ne sais pas si tout le monde le sait, on est partenaire de Denis Chevreau, qui est juste champion du monde aujourd'hui, champion d'Europe, pardon, Ironman. D'accord. Donc il lui fallait un vélo à sa mesure. Il ne roule pas encore sur notre vélo. Ça va être chose faite bientôt, puisque là, on a fait un TT. Donc celui-là, il est UCI Legal, donc il respecte les règles UCI, mais il y a bien sûr une version triathlon qui arrive très bientôt. Celui-là, fin d'année 2023, l'objectif, c'est d'aller vite, d'aller vite, d'aller d'accord. vite. D'accord. Donc moi, je me rappelle, il y a 3 ans, d'un concept, d'un vélo un peu foufou, estampillé Van Rysel, finalement, c'est aujourd'hui, on y est, quoi. Ça y est. On y est carrément, ouais, voilà, carrément. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse et on est très fiers de lâcher tous ces nouveaux vélos dans la nature. Impressionnant de voir une gamme de vélos comme ça arriver de chez Van Rysel. Moi aussi, je dois t'avouer que je les attendais. Et jusqu'à maintenant, je restais un peu sur ma faim sur les vélos Van Rysel. Et là, je repartirai bien avec un. Vraiment, vraiment. Eh bien, écoute, moi, je suis content. Bah, parfait. Bah, merci pour ta présentation. Et bah, je vous invite tous à aller découvrir un peu plus en détail les produits directement, j'imagine, sur le site Van Rysel. Sur le site Decathlon.fr. Ok, bah, impeccable. Voilà. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bye. Ciao.